Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons travailler les mathématiques, nous allons travailler les résolutions de problèmes. De quoi nous avons besoin? Oh, nous avons besoin d'une ardoise, nous avons besoin d'un marqueur, si vous n'avez pas d'ardoise, vous pouvez prendre une feuille. Et nous avons aussi besoin de jetons, fichas. Si vous voulez, hein, vous n'êtes pas obligé de prendre les jetons. Alors, les enfants, écoutez bien. On va faire un premier exemple. On va travailler sur les additions. D'accord? On va travailler sur les additions. Alors, écoutez bien. Si j'ajoute 4 jetons, d'accord? Si j'ajoute 4 jetons et 3 jetons, quel est le total? Combien ça fait en tout? Ça fait 7. Donc, si j'ajoute 4 jetons et 3 jetons, ça fait 7 jetons. D'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors les enfants, je vais vous demander de poser l'addition. Ça veut dire quoi poser l'addition? On va faire les signes. Parce que là, vous avez vu, on a 4, on a 3, on a 7, on a la flèche. On va poser l'addition. Donc, je vais mettre plus. Et je vais introduire le égal. D'accord? 4 plus 3 égale 7. 4 et 3, ça fait 7. D'accord? Plus égale. Donc les enfants, ça c'était pour le premier exemple. Maintenant, ça va être à vous de le faire. On efface. On efface. Alors, ce serait bien d'avoir une petite serviette, un petit torchon pour effacer. Hein? Alors, écoutez bien les enfants. Je reprends mes jetons. Si j'ajoute 5 jetons, 5 jetons et 2 jetons, si j'ajoute 5 jetons et 2 jetons, combien ça fait en tout? 5 jetons et 2 jetons. Alors, est-ce que vous pouvez me l'écrire? Et est-ce que vous pouvez me poser l'addition avec les signes? Avec plus ou avec égal? Et avec égal. Est-ce que vous pouvez me poser l'addition? D'accord? Vous prenez une photo et vous nous la mettez dans votre carpeta. Ça, c'était pour la première. Et ensuite, la dernière. La dernière addition. J'enlève tout. J'efface. Si j'ajoute 5 jetons et que j'ajoute un jeton à 5, combien j'en ai en tout? Si j'ajoute 5 jetons et j'ajoute un à 5. Combien j'en ai en tout? Donc pareil les enfants, vous nous posez l'addition, vous nous mettez le résultat avec plus, avec égal, et vous nous prenez une photo et vous nous la mettez dans votre Carpeta Drive. D'accord? Merci les enfants, au revoir.